Bonjour Paolo. Salut Jean-Mimi. Où on est ? À Piquigny, dans la Somme. Bah écoute, c'est un petit canal, une petite rivière canalisée où l'hiver il y a pas mal de poissons qui viennent se regrouper. D'après les échos que j'ai eus, il y a du poisson en ce moment. J'espère que ça va marcher pour nous aujourd'hui. Sylvain dit Bolec, hein, ouais, pour les ouais. intimes. Ouais. Bon, à mon avis, il y a pas mal de monde qui le connaît, surtout ici dans la Somme, parce que il est licencié par ici. Et puis, un petit nouveau dans la famille, Thomas. Ça fait un an qu'il nous suit, il pêchait pas du tout. Puis quand il a rencontré ma fille, il a commencé à nous suivre. Ah. C'est quoi ton bac secret aujourd'hui ? Ah ah, bah tu sais, ça c'est un grand mystère. Mais bon, aujourd'hui on va pêcher avec l'amorce sonubette, mais c'est les amorces sonaturales. En fait, dans la gamme sonubette, tu sais, on a une gamme où il y a pas mal de farine de poisson ou des amorces. Du fishmeal. Du fishmeal, pas mal concentré en protéines, des choses comme ça. Tandis que la gamme sonaturale, c'est plus des amorces faites pour nous, pour pêcher beaucoup. Je veux dire qu'elles sont beaucoup moins riches pour pas gaver le poisson, voilà. En gros. Plus adaptées aux pêches de gardon, de plaquettes, dans les canaux, des choses comme ça. Mais... où c'est pas habitué encore à pêcher au pelé, où les poissons sont pas encore habitués à la farine de poisson. Oui, donc, et en plus de ça, c'est trop nourrissant pour... Voilà. Ou alors surtout tu serais obligé... pêche de canot comme ça, ou... Tu serais obligé d'en mettre que la moitié d'un paquet, ouais, peut-être. À peine. On pourrait... Par contre, si tu manges beaucoup, là, tu peux faire la différence. Ouais. Et il y a pas mal de monde qui commence à utiliser les amorces à base de farine de poisson pour pêcher également dans les canots et choses comme ça. Ça, en France, c'était pas trop dans les coutumes. Mais depuis un an ou deux, ça commence à y venir et... on commence à voir la différence et à voir les... Moi, je pense que quand le poisson a faim, ça fait la différence. S'il n'a pas faim, il ne faut surtout pas le faire. Voilà. Le secret, il est là. Le poisson commence à prendre l'habitude aussi. Et les gens sont de plus en plus demandeurs de ce style d'amorce. Cette gamme-là, plus orientée pour les pêches en France, pour on va dire. Pour les pêches en France, voilà. Ou donc, peut-être, alors, on va dire, France, Belgique, c'est ça L'Europe, quoi, tu vois. Ouais, ça, c'est des plus... Europe, France, Belgique. Alors que les solibets seraient quand même plus dirigés sur des ficheries. Plus sur des ficheries, bien que en Belgique, notamment en Flandre, les amorces sonubettes à base de poissons classiques, tu vois, sont utilisées depuis longtemps. Eux connaissent ça depuis. Oui. Ils ont un petit peu d'avance. Ouais, mais alors je vais le dire avec beaucoup de gentillesse parce que j'ai eu la chance d'avoir l'équipe belge qui pêchait devant moi. Ils sont beaucoup moins bons que nous aussi. Mais c'est pas vrai, hein, Geoffrey. C'est pas vrai ce que je dis. Je ne veux pas m'attaquer à Geoffrey. Alors aujourd'hui, quelle va être ta composition ? On va mettre deux paquets de rivière et un paquet de black roach. Ok. Donc la black roach, c'est une amorce qui est avec beaucoup d'épices. Tu sais, pour les... curcumin, des choses comme voilà, ça. Des trucs comme ça. Donc pour les gardons l'hiver. Et en hiver, c'est tu crois ? Ouais, c'est mieux que le sucré, c'est ça ? Je pense. Les épices... c'est réputé depuis longtemps. Ouais, on est bien d'accord. La coriandre, on connaît, tu sais. Tu vas me dire, comme beaucoup de personnes, t'inventes rien. Voilà. C'est... Donc, toi, en hiver, tu préconiserais. Je préfère plus les épices que. Alors, c'est quoi, tu me disais coriandre ? Il y a du coriandre, il y a du fenouil, des choses comme ça, dans tout ce qui est les épices réputées. Et là, tu vas me dire que là, vous mélangez plusieurs épices ? Maintenant, c'est un mélange d'épices qu'il y a dedans pour avoir un petit. Puis en plus, ça refait travailler un petit peu l'amorce. Étant donné que le poisson n'est pas actif, il vaut mieux que la morse soit l'active. Ouais. Donc tu vois, un petit peu de baby-corn que j'ai fait tremper pour recoller un peu la morse. Ok. Et j'ai fait cuire du chêne-vie. On a du chêne-vie broyé en seau naturel aussi comme ça. Oui. Donc j'ai pris les 3/4 d'un paquet que j'ai fait cuire ce matin avant de partir. Tu vois, comme ça je remouille la morse avec ça. C'est quand même copieux pour l'hiver. Tu vas me dire, mais t'es un gars du Nord, tu n'utilises pas de fiente. Pourquoi tu me fais les questions avant que oui ? Mais pas tout le temps. Là, je voulais essayer ça, c'est un truc qu'on utilise beaucoup aussi. Bah, écoute, moi, je viens de faire une vidéo, je te le dis, avec Gilles. Eux, ils n'utilisent pas la fiente et ils ont des résultats. Hein. Par contre, dans ces cas-là, ils utilisent beaucoup plus de terre de rivière. Ouais. Tu sais très bien que j'y crois. Oui, bien sûr. Dans ton école. Tu m'as déjà vu en mettre et en utiliser souvent dans les championnats, les choses comme ça. Tiens, je pourrais même dire, le bon souvenir que j'ai de toi, c'est à Grigny. Quand tous les gars du Nord, ils étaient à Grigny en deuxième division, que d'un seul coup, il y en a un qui préparait la fiente pour tout le monde. Non, mais je peux te dire que dans la démarche,
Dans les autres CD et tout, désolé de le dire, les mecs c'était plutôt chacun sa route, alors que vous, non, c'est, il y en avait un qui avait préparé la fiente, je me rappelle plus qui, il avait préparé la fiente pour tout le monde. Et ça, dans la démarche, je pense que si les gars du Nord, ils ont aussi un petit cran au-dessus de temps en temps, c'est ça. Mmh. Vous savez partager entre vous. C'est le partage. Bah tu sais, c'est comme aujourd'hui, pêcher tout seul, ça m'intéresse plus. Tu vois, venir faire des détentes tout seul, c'est pour ça que je suis accompagné. Et aujourd'hui, tu utilises de la terre ou pas? Oui, j'ai prévu. Ah, là, il y a 2 litres et demi pour 3 kilos d'amorce. Alors... La terre assez lourde. Okay. Une terre de rivière collante, on va dire. Aurais-tu rajouté... Pas forcément collante, mais lourde. Parce que là, comme tu vois, avec l'amorce de rivière, qui est déjà par définition une amorce qui est quand même collante, le BC qui est bouillanté, ça va recoller l'amorce. Donc si tu rajoutes encore de l'amorce collante, ça va vraiment faire de la bouillie. Tandis que là, c'est plus une terre qui est lourde, mais pas forcément collante. Une bonne terre de rivière pour toi. Juste pour plomber plus l'amorce que la couille. Donc tu mélanges tout dès le départ comme ça? Je mélange tout dès le départ comme ça. Hein, tout prenne en même temps, sinon tu aurais... Voilà le... C'est pas pour obtenir un travail mécanique bien spécifique. Non. Là le BC, tu vois, quand tu le mouilles, ça fait... quand tu l'ébouillantes, ça fait quand même des boules assez compactes. Donc il faut bien le passer dans l'amorce. L'amorce sèche directement. Mmh. Et ensuite, avant de rajouter l'eau... Ou le reste. Hop. L'occasion aussi de te présenter nos nouveaux tamis. Tu vois? Ah oui, il me semble que j'ai vu ça sur une Facebook. Il y a un certain Pascal Valente qui a dû nous mettre ça. Tu vois, c'est le nouveau tamis qui s'adapte sur les seaux de 18 litres. Et je crois qu'il y a plusieurs mailles, si j'ai tout compris. Il y a 3 mailles. Alors, quelle maille tu utilises aujourd'hui et pourquoi? Ça, c'est la maille de 4 mm. Oui. Donc, c'est une maille moyenne. Tu vois. Ce style de tamis, tu vas me dire, comme d'autres, ça existe chez d'autres fournisseurs. Ouais. Mais nous, l'avantage qu'on a, c'est que nos tamis, la maille, elle est complètement moulée dans le plastique. C'est pas un joint silicone qui est remis par-dessus. Donc au niveau solidité et durée, il n'y a pas photo. Et le grillage est en inox. On le retrouve à quoi? Alors moi, je vais te poser toujours les questions qui fâchent aujourd'hui. Pour combien d'argent tu vas me prendre pour ça encore? Ça, tu vas retrouver ça dans les 29 euros. Mais que tu vas garder plusieurs années. Pas un tamis que tu vas être obligé de changer tous les ans. Pour passer la terre et tout, ça c'est fait pour... trois mailles différentes pour la terre, pour l'amorce, pour l'amorce plus grossière. Tu peux expliquer aux gens ces trois tailles, comment tu les utiliserais? Écoute, alors là, tu as la première taille. Oui. Qui est une taille pour les amorces de surface, les petites amorces hyper fines, mais énormément utilisées pour tamiser la terre. Que ce soit terre de somme, un peu terre de rivière. La deuxième maille, on l'utilise pour... La deuxième maille qui est de 4 mm. 4 mm. Donc celle-là, on l'utilise plus pour les amorces et pour les grosses terres. Les amorces de rivière, tu vois, les terres de rivière, pardon, les amorces classiques et compagnie. Aujourd'hui, je vais utiliser Tu vas l'utiliser dans un canal aujourd'hui? C'est une petite rivière, mais si tu veux, l'amorce que je vais utiliser, c'est quand une amorce à grosses particules. Donc ça suffira amplement pour ça. Les amorces avec des grosses particules, on a une maille de 6 mm. Qui est plus grosse. Voilà. C'est question. Alors... les amorces qui sont hyper collantes aussi, c'est beaucoup plus facile. Oui, à passer. Voilà. Mais tu crois à la grosseur de l'amorce? De l'amorce pour les gros poissons? Ça, il fait. Je pense qu'il y a certains endroits où c'est... Tu vas dire qu'il y a des endroits où c'est valable, il y a des endroits où c'est pas valable. C'est à toi de t'adapter. Ça, c'est... tamis qui sont utiles pour tout le reste aussi, tu sais, pour tamiser tes vers de terre ou quoi que ce soit. Lequel tu prendrais pour les vers de terre? Vers de terre le gros, et pour les asticots? Pour les asticots, pour faire passer les asticots, les trier, le 4 mm c'est parfait. Pour faire passer les casters, par exemple. Ouais. Et pour les pinky, tu vas prendre le plus fin? Non. Pour le pinky, le plus fin, ça passerait aussi. Ouais. Bon, je vois que nos amis les canards vont bien me pourrir la journée. Donc avant de la mouiller quoi que avant ce soit... Avant de la mouiller quoi que ce soit, tu vois, à sec, pratiquement à sec, je passe un petit coup de tamis avant.
crois que... Comme ça. Là, on le voit bien. Ouais. Je sais pas si tu vois, regarde, tu vois, le baisser, la pâte, c'est mélangé plus facilement aux particules. Et là, maintenant, on va pouvoir... T'as homogénéisé les deux. Voilà. Et là, on va pouvoir classiquement... Alors, et pourquoi... Alors, ma question, pourquoi tu mets pas chenillé et le baisser en même temps? Justement, on pourrait le faire, ça changerait pas grand-chose. Ouais. Mais comme le chenillé est cuit et un petit peu plus doux, ça tremperait les farines tout de suite. Okay. Tu n'utilises pas l'eau de mouillage de ton chenillé pour mouiller ton amorce? Regarde, tu vois, il a cuit. Et ouais, il est très humide. Après, ça a absorbé l'eau. Si il y a quoi, ouais. Presse, ça... Est-ce que tu pourrais le faire? Est-ce que tu crois? Tu pourrais. Ça nuit pas, on va dire. C'est pas quelque chose qui va nuire, non. Ça va faire plaisir au pêcheur, ça va le rassurer. Ouais. C'est... Dans le chenillé cuit, quand tu récupères l'eau de mouillage, tu vas récupérer notamment l'huile qui s'échappe. Ouais, on est bien d'accord. Donc quand tu mouilles, ça ne peut pas faire de tort. Et hein. L'huile, ça va t'aider à faire travailler la morse, ouais. À la faire mieux pétiller. Donc là, tu remets. Tu vas pas tout retamiser maintenant. Ah, je vais la retamiser une fois quand même, pour que le chenillé soit bien mélangé, soit bien homogène. Est-ce que... Alors, une fois que... Voilà, volontairement... Elle est quand même, elle gonfle bien. Hein. L'amorce, je vais mettre quand même un petit peu plus d'eau dedans. Parce que tu vas mettre la terre. Parce que je vais incorporer ma terre, et ma terre est un petit peu sèche. Comme ça, ça va... Mmh. Mais tu commences à... Voilà, exceptionnel, on voit Paolo Valor travailler. Ah, c'est vrai que d'habitude, c'est pas moi qui fais l'amorce derrière. Ah bah, t'as toujours c'est un pot. Plus, le pot. Mais tu sens. Tu vois, donc la profondeur est également assez importante sur le tamis pour pouvoir en mettre une quantité assez importante pour pouvoir tamiser comme il faut. Donc, deuxième passage de tamis. Deuxième passage. Et à la fin, on fera un petit coup de batteur dans l'amorce pour mélanger la terre. Ok. Non, le temps que tu t'installes. Le temps que je m'installe. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure.